Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un haul, comme vous l'avez vu. Action! Et oui, gros craquage, mon sac est juste énorme. Gros craquage à Action. J'y suis pas allée depuis un mois, je crois. J'avais trouvé que quelques babioles quand j'y étais allée. Et là, j'avais besoin de pas mal de choses et j'ai trouvé aussi pas mal de choses. Donc j'ai acheté beaucoup de choses pour mes élèves, c'est normal. Il y a des trucs pour un peu l'école. C'est normal, vous inquiétez pas. Et il y a des trucs bien sûr pour le scrap, et des trucs qui n'ont rien à voir, un peu de tout. Alors, ma grosse découverte du jour à Action, et je suis super contente de les avoir retrouvés, c'est les fameux Crispy Crisps. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais l'année dernière, j'en avais trouvé de tous les goûts. Il y avait pêche, pomme, poire et fraise. Et là, j'ai trouvé tout sauf la pêche. Et j'avais, ou c'était pêche ou abricot, je ne sais plus. Bref, j'avais adoré l'année dernière, je les avais dévorés. Et là, j'en ai revu. Et je crois que ça coûte 69 centimes. Dans tous les cas, si je me rappelle plus des prix, je vous remettrai une annotation quelque part ici. Mais voilà, j'étais juste folle. Et du coup, vous allez me dire, elle est folle, 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 la fille. Mais en fait, j'ai pris tout le rayon. Ouais, vous vous dites qu'elle est dingue. Mais en fait, j'ai trouvé ça super bon. Et c'est en fait des fruits... des fruits pas secs, des fruits qui sont comme, je sais pas comment ils appellent ça, lyophilisés après la récolte, et du coup ils sont super bons, c'est hyper croustillant. Je trouve que quand j'ai envie de manger des cochonneries, bah, j'aime bien manger ça, parce que du coup c'est pas très, enfin c'est 55 calories, c'est très peu de calories, et je trouve que ça me donne un petit effet comme si j'avais mangé des bonbons, alors que ce ne sont pas des bonbons. Donc j'en ai acheté à la pomme, à la fraise et à la poire. Et puis j'en ai acheté plein, je pense vous en mettre dans mon concours qui arrive, les 10 000 abonnés, je pense vous en faire goûter aussi, parce que moi j'adore. Et ça valait rien, 69 centimes je crois. Voilà, j'en ai pris encore, hein, vous voyez, j'en ai pris un paquet. Ça je l'ai vu dans une vidéo, je vous en avais parlé dans mon dernier haul Action, mais que j'avais trouvé ça très beau, donc j'en ai racheté un paquet. Donc ça c'est très bien. Et maintenant je vais rester dans la gourmandise et les cochonneries, j'ai racheté des mélanges de noix comme ceci, avec des noix, des canneberges en fait, parce que j'aime beaucoup ce genre de petits mélanges en fait. Pareil, c'est quand j'ai envie de grignoter, je préfère manger ça que du chocolat, donc c'est pas mal du tout. Ça j'en ai beaucoup entendu parler dans des vidéos Action, et je me suis dit pourquoi pas tester. Et là c'est gingembre passion ananas, donc la marque 100%, je sais pas c'est quoi la marque, 100% je pense. Parce que j'en ai trouvé aussi en petit, comme ceci. Donc voilà, j'avais envie de tester. Je vous mettrai la notation si j'ai goûté, pour vous dire si c'est bon ou pas bon, si ça vaut le coup ou pas. Ça c'était 1€ et ça devait être aussi autour d'1€. Donc si ça valait le coup ou pas, je sais pas du tout. J'en ai entendu parler mais j'ai jamais goûté. Est-ce que dans les gourmandises c'est tout? Non, il reste ça qui est pour mes... Ce sont pour mes élèves. En fait je prépare un petit concours. Alors il y a une fille sous une de mes vidéos Action qui m'a dit: oui, pourquoi je fais pas des concours pour mes élèves? Mais si, tous les ans je fais des concours pour le plus beau cahier de poésie, et du coup je leur prépare en fait les trois meilleurs, je leur prépare trois petits lots, enfin chacun un lot, et du coup je mets des petites gourmandises et des trucs d'école, des stylos, etc. Donc voilà, là je leur ai pris ça, comme ça un par gagnant, donc ça n'a rien à voir avec vous, hein. C'est pour mes élèves de ma classe, pour information, puisque vous avez été nombreuses à me poser la question, je suis prof des écoles en CM1, merci de ne pas me poser la question en commentaire. Toujours pour mes élèves, je leur ai pris ça pour une gagnante, puisque je pense que dans les trois gagnants de mon concours poésie, il y aura bien une fille, donc j'ai pris ça, je pense que ça plaira. Donc c'était 2,99€ le lot, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais il y a plein de petites babioles, du washi tape ici, voilà, des petites pinces, des petits trucs, des feuilles, enfin... De quoi s'amuser avec. Ah, toujours pour mes concours pour mes élèves, cette fois-ci plus pour un garçon, j'ai pris une sorte de trousse comme celle-ci, je sais plus exactement le prix, je pense 1,99€. En fait les trousses, vous savez, vous pouvez plier comme ça avec un zip, et dedans crayon de couleur, stylo, crayon papier, taille, crayon, gomme, règle, donc voilà, le nécessaire. Ça leur servira pour l'année prochaine, voilà, je trouve que c'est plutôt cool pour les gâter un petit peu. J'ai enfin trouvé à Action les fameux pailles colorées, mais la dernière fois j'avais pris des vertes et des rouges parce qu'il n'y avait que ça, mais là j'ai trouvé les verts turquoises un peu bleus et les roses, donc je les trouve très jolies, donc ça va être top pour boire ou pour les anniversaires qui viennent ou des choses comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses?
Je vais rester sur mes élèves, hein, comme ça on aura fait le tour pour mes élèves. Donc ça c'est pour ma classe, je me suis racheté des colles parce que bah, j'en avais plus beaucoup. Je sais qu'en fin d'année les élèves n'en ont plus. J'ai racheté, alors toujours pour concours pour mes élèves, une petite trousse, un petit tampon comme ceci pour toujours mes élèves, hein, donc avec les différentes écritures et puis l'encre. Des petits stickers avec des formes de bouche, enfin des formes de bouche, de moustache, de chapeau. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être rigolo pour eux de s'amuser. Et dans tout ce que j'ai pris, il y a aussi des choses pour vous, comme je vous le disais, je ne sais plus si je vous l'ai dit au début de la vidéo ou pas. Je prépare le concours des 10 000 abonnés, du coup je prépare un gros lot aussi pour vous, un lot action. J'ai pas tout pris aujourd'hui, mais je suis en train de commencer à faire un lot action et sûrement un lot scrap, je sais pas exactement, mais voilà, je verrai, parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas avoir d'action, donc j'avais envie de vous gâter un petit peu. J'ai repris des petits rouleaux comme ça à 35 centimes, vous savez, les fameux rouleaux double face, tout simple, qui sont très très bien de chez Action. Donc voilà, ceux-là ils sont fins et j'en ai pris deux qui sont épais en fait, en 3D comme ceci. Donc ça c'est top. Au niveau des petites pièces un peu... au niveau des petites pièces un peu style embellissement en bois, j'ai pris deux sortes d'embellissement. Donc celle-ci, alors vous n'avez pas trouvé dans le rayon scrap ces deux-là en fait, elles coûtent 1,49€ la boîte, elles sont beaucoup plus grosses que celles d'avant, hein. Je vous montre la différence, voilà, et ce sont des pièces en bois, donc là vous avez des fleurs dans les tons jaunes, un peu vert et blanche, et l'autre, voilà, c'est des papillons, donc vous avez différents types de papillons, et moi je vous ai pris pour vous dans le lot les papillons, parce que je me suis dit que ça allait vous plaire. Et les fleurs en couleur, celles-ci étaient 1€, donc celle-ci c'est pour vous les fleurs en couleur. Pareil, je sais que ça pouvait être cool pour vous de vous gâter. Moi je me suis pris celle-ci sur le thème un peu anniversaire, gâteau, cadeau. Et celle-ci avec des petits cœurs, des loves, etc. Ensuite, pour ma fille, j'ai craqué, je lui ai acheté des petits livres qui n'ont rien à voir avec le scrap. Enfin, je vous mets ça vraiment dans le désordre, j'en suis désolée. Et il y a ma poupette qui pleure d'ailleurs, elle est avec Papounet, hein. Mais bref, je lui ai acheté des petits livres comme ça, donc les animaux domestiques les plus gentils, au cirque et au fond des mers, donc c'est des livres assez sympathiques, je trouve ça mignon. Donc voilà, avec des jolies images, ça lui a beaucoup plu, c'est très coloré, donc c'est très sympa, on va lui lire sûrement le soir. Et ils étaient à 1€ ces livres là. Pour mes élèves, pour un élève, j'ai pris un petit livre comme ça d'activité, de coloriage magique un petit peu. Donc ça, ils vont adorer avec des petits jeux, vous savez. Alors, il y a des coloriages, mais il y a aussi les jeux avec des numéros à suivre. 1, 2, 3, gna gna gna. Donc ça, je pense qu'ils vont adorer. En plus, ça leur servira cet été pendant les vacances, s'ils ont envie de passer du bon temps. Donc ça, c'est toujours pour mes élèves, leur concours poésie. Là, j'ai trouvé un autre carnet à 1,99€, vous savez, les grands blocs. Deux feuilles, celui-là c'est It's a Man World, donc c'est plus masculin, dans les tons un peu marron, bleu, avec des effets un peu, bon, plus voyage mer. Qu'est-ce que j'ai vu de... Pour les voyages aussi, j'ai trouvé ça sympa en fait pour préparer mon album pour les voyages. Puis pour faire des cartes pour les hommes aussi, parce que j'ai pas beaucoup de papier pour les hommes, donc voilà. Il y a vraiment des papiers très très sympas. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de le prendre, je crois pas que je l'ai. Et celui-là aussi m'a beaucoup plu. Donc voilà pour le papier. Eh bien, on arrive presque à la fin. Donc ça, j'ai acheté ça pour moi. Je crois que c'était 99 centimes, c'est pour dans ma classe. Ce sont des épingles, enfin des punaises, etc. Des petites fournitures de classe parce que ben, j'en ai besoin en classe. J'utilise ça au quotidien et j'en ai plus beaucoup. Toujours pour mes élèves, je leur ai acheté des bonbons comme ça, Maomam, vous savez, au coca, aux fruits, etc. Toujours pour mettre dans leur lot concours. Et c'est de la marque Haribo, même si c'est pas écrit, je le sais, parce que bah, c'est hyper connu ces petits trucs-là. Et toujours encore pour mes élèves, oui, vous allez me dire, la fille, elle achète que pour les élèves, mais non, j'ai acheté aussi pour vous, j'ai acheté pour moi, ce qui me passait par la tête, hein. Et du coup, je leur ai pris aussi des crayons colorés comme ça, qui n'étaient pas chers, des crayons fluo. Ça, ça leur servira pour écrire leur prochaine poésie ou l'année prochaine pour leur classe de CM2. Pour moi ou pour vous peut-être, j'ai pris des petits embellissements comme ceci.
que j'ai trouvé trop trop craquants. Vous savez, je les ai déjà pris. Donc ça, je les ai pris encore une fois parce que je les adore. J'ai pris des petites... comment ça s'appelle ces trucs-là? Des épingles? Non, des attaches parisiennes. Voilà, cherchez le mot, des attaches parisiennes un peu girly rose, toutes mignonnes. Et le craquage final, j'ai fini par prendre ces petites stickers 3D. Et le craquage final, c'est celui-ci. J'avais vu plein de photos sur les groupes Facebook, etc. Certaines filles avaient trouvé leur, ces mots-là. Et moi, j'étais trop dégoûtée. Je les avais jamais vus. Et je m'étais dit, oh, j'espère que je les trouverai. Et là, j'ai pris pareil le rayon. Hein, je pense que j'ai tout pris. Donc, des fois, à Action, il faut que j'arrête de m'emporter comme ça. Je pense que je passe pour une psychopathe. Mais voilà, j'ai craqué. J'ai pris donc ceux-là deux fois. En fait, je les ai pris quasi toutes deux fois. Et il y en a une ou deux ou trois, je sais plus, qui sont pour vous aussi. Donc, voilà. Ils sont trop, 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 trop jolis. Donc je vous prépare pareil un super lot concours. Voilà, pareil, je l'ai pris deux fois celui-ci avec Hello Baby. Donc ça, je trouve ça juste génial, les mots comme ça de chez Action. Ça coûte vraiment rien, autour de 60 centimes. Et puis, ben, c'est super sur les créations, je trouve. Donc voilà, ça veut pas. Ça veut pas descendre, les rebelles. Donc voilà, des mots encore une fois avec souvent smile, fun, beautiful. C'est souvent en anglais malheureusement, mais moi j'aime bien les mots anglais, donc ça me dérange pas. Mais pour celles qui n'aiment pas, bah voilà, je suis désolée. Je sais pas si celui-ci je l'ai deux fois ou pas. Il y en a que je sais pas, il y en a un, je crois que j'ai trouvé qu'une fois. Donc voilà, c'est celui-ci aussi que j'ai trouvé deux fois ou trois fois, je ne sais plus. Est-ce que c'est le même? Non, c'est l'autre d'avant que j'ai trouvé trois fois. Il est trop beau celui-là, j'aime beaucoup les écritures ici, là. Donc ça va servir dans les albums pour ma fille, dans les créations. Enfin voilà, ça va servir. Et celui-ci, le dernier que j'ai trouvé. Donc voilà, celles qui sont pas fans de scrap, elles vont me dire mais pourquoi elle a craqué dans ces trucs-là. Mais celles qui sont fans de scrap vont me comprendre. Et je crois que pour finir, je sais plus si je vous ai montré, j'ai pris un petit lot de stickers comme ça qui sont trop trop mignons pour vous, pour mettre dans le concours. Je pense que dans le concours, je vais vous faire vraiment un lot papeterie, peut-être quelques maquillages d'action, mais je sais pas, j'ai jamais trop testé. Donc j'ai envie de vous gâter avec des choses que je connais. Donc le concours arrive prochainement, vraiment vraiment vraiment. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux puisque c'est là où aussi les concours se déroulent, sur le blog. Je vous mets tous les liens par ici et je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte de lire vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous ne trouvez pas que j'ai abusé. Bon, non mais façon à Action, on abuse tout le temps. Hein. Toutes les vidéos, oh l'Action, c'est de l'abus. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao !